C'est le dernier coup du sifflet qui a donc marqué la fin de cette première édition du tournoi de l'unité d'Ayomi dans la commune de Dogbo, département du Koufou. Une initiative qui vise non seulement à promouvoir le football à la base, mais aussi pour renforcer le lien de fraternité. C'est une joie terrible, affirme le président du comité d'organisation. Et ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Merci aux parrains pour nous avoir soutenus de compte en compte. Par tous les moyens, ils ont mobilisé, ils nous ont aidés. Bravo à l'équipe gagnante. Joie partagée quant au trio gagnant. Fanyegbe, Zimanzi et l'honorable Benoît Sakou appellent à une synergie d'action pour la promotion du sport roi à la base. Je dis merci à la population qui est sortie nombreuse pour participer à cette finale. Et félicitations à l'équipe de Tokota qui a gagné la coupe. Félicitations et courage aux autres équipes. L'année prochaine, on se retrouve pour encore un autre tournoi mieux organisé avec des prix plus grands que ceci. Merci à toutes et à tous. Bon, là, c'est du cœur. Bah, où nous vivons. Et nous disons, là, à mes chers. Toujours dans cette même dynamique, des appels à l'unité continuent d'être enregistrés. Je voudrais que les années à venir, que cette organisation soit plus claire et plus organisée que ce que nous venons de voir, pour que les talents soient révélés. Il faut que le gouvernement regroupe les filles et filles de Dayomi pour se distraire. La politique, on doit laisser ça de côté lorsqu'il s'agit de développement. Donc nous demandons à toutes les équipes qui ont participé à cette compétition de mieux se préparer pour l'édition prochaine. Sacré champion de ce tournoi, Tokota FC est reparti avec le premier prix, suivi de son homologue, des Okoudis.